Bonjour, je me présente, Philippe Giletti, professeur de golf. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact. Qu'est-ce que l'impact? Eh bien, c'est le moment de vérité. C'est la conséquence de tout ce que vous avez pu réaliser jusqu'à ce moment-là. C'est ce qui vous permet d'envoyer votre balle vers la cible ou malheureusement de la manquer. Pour améliorer l'impact, je vais vous donner quelques conseils. L'un correspondra au placement du corps, l'autre à comment le club vient contacter la balle. Premier conseil concernant le placement de mon corps. Par rapport à ma position de départ, où mon poids est réparti à part égale sur mes deux jambes, lorsque j'arrive au moment de l'impact, mon poids du corps est passé sur la jambe avant et une ligne apparaît entre mon pectoral gauche, mon genou gauche et l'intérieur de mon pied gauche. Cette ligne sert d'axe autour duquel tout mon côté droit peut tourner et ainsi lancer le club en direction de ma cible. Mon deuxième conseil concerne la manière dont le club vient contacter la balle. Il faut que mon club arrive en phase descendante. Le point le plus bas décrit par ma tête de club se situera sous et après la balle, en aucun cas avant la balle, ce qui engendrerait un contact précoce, ce qu'on appelle une gratte. Pour obtenir ce contact descendant, je resterai avec mon manche placé, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, jusqu'à avoir le milieu de mes mains au-dessus de mon nombril. Seulement à ce moment-là, je libérerai les poignets pour faire descendre la tête de club et obtenir un contact légèrement descendant. Pour travailler le moment de l'impact, mon astuce est de travailler face à un miroir. Prenez le temps au ralenti de faire redescendre votre club tout en vous regardant, visualisez votre corps qui se transfère sur le pied gauche, puis votre club qui arrive en phase descendante vers la balle. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur comment obtenir un impact solide. Et si vous voulez en connaître davantage encore, rendez-vous sur notre prochaine vidéo, améliorer vos swings.